Shalom, shalom, famille TPS. Shalom, alors ce matin, on a un petit souci YouTube. Ça ne vient pas de nous, ça vient de YouTube. Donc on ne peut pas faire le live sur YouTube. Alors nous basculons tout de suite sur Facebook. Nous basculons sur Facebook. Comme ça, nous pouvons faire la prière et ensuite mettre la vidéo sur YouTube. Alors, bien-aimés, n'hésitez pas à partager dans nos différents groupes, partager pour que quelqu'un puisse trouver la vidéo facilement. Parce qu'il y en a qui ne trouvent pas les vidéos YouTube. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame le Seigneur ce matin, bien-aimé. Acclame le Seigneur ce matin. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas qui j'ai en ligne. Je ne sais pas qui j'enligne là. Voilà. Partagez la vidéo. Partagez. Shalom, famille TPS. Shalom. Attends, je peux voir qui est en ligne. Après, je te donne.
Shalom, je dis, hein, comme ça, shalom, Morénique, shalom. Shalom. Voilà. Ah non, tu as refait une autre vidéo. Tu as refait une autre. Les gens sont en train de regarder. Shalom, Morénique, shalom. Rosine, Harold, Charo, shalom, Josiane, shalom, shalom, shalom à toute la famille TPS. Shalom, Solange, shalom, shalom, voilà, merci. Shalom, Adli, shalom. Shalom, Dominique, shalom, Rita, shalom, Florence, shalom. Partagez, là nous sommes sur Facebook, donc partagez sur vos différents profils. Faisons un maximum de partage pour nous permettre de montrer le lien à ceux qui sont en train de chercher peut-être, pour nous permettre que les autres puissent nous trouver très très facilement et très rapidement. Shalom Jean-Louis, shalom Grande Victoire, shalom shalom Salima, shalom Jessica, shalom Leslie, shalom Rebecca de Bagneux qui est là, shalom modératrice, partage dans tous les groupes TPS. Partage dans tous les groupes des alliances, partage. Voilà, parce que j'ai déjà des coups de fil des gens qui m'appellent pour savoir où est-ce qu'on est. Que le Seigneur soit béni. Alors nous allons commencer notre prière de ce matin. Alléluia. Nous allons commencer notre prière de ce matin. Pasteur, prends celui-là. Donne-moi celui-là. Alors. Je vais mettre. Voilà. Même si c'est 8%. Voilà, je suis en train de partager. Prenons le temps de partager. Alléluia. Partagez sur les profils et sur les groupes. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Trouvez, aimez déjà la vidéo. Donnez votre offrande du matin. Voilà. Je vais. Voilà. Morénique, tu nous as manqué hier. Rebecca, tu nous as manqué hier. Alléluia. Voilà. Voilà. Je partage aussi. Ici, il faut partager. Donc, on partage. Enfin, maximum de partage. Voilà. On partage. Merci Seigneur. Je vais prier, nous allons commencer. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Partage aussi sur dans l'autre page. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? On acclame. Yvette demande comme maman comment faire pour avoir les t-shirts. Bon, on va te l'envoyer. On en parlera. Je vais t'envoyer le t-shirt. Ça va venir au Liban là-bas. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons encore, Seigneur. Merci. Merci pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être encore dans ta présence. Malgré les difficultés de connexion, malgré les problèmes techniques, Seigneur, mais tu as permis que nous puissions encore nous retrouver sur cette plateforme pour te célébrer ce matin. Seigneur, nous venons encore devant toi. Seigneur, nos cœurs ouverts pour que tu puisses encore nous façonner, pour que tu puisses encore nous parler, pour que tu puisses encore nous faire du bien. Ce matin, nous nous approchons du trône de ta grâce, Seigneur, afin de trouver grâce, afin, Seigneur, d'être secouru dans nos besoins. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. Car si toi, tu ne bâtis la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si toi, tu ne gardes la ville, ceux qui gardent veillent en vain. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit,
que tu puisses encore inspirer les paroles de nos bouches, que tu puisses encore inspirer les pensées de nos cœurs. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, prie avec nous. Nous voulons prier avec toi, que tu puisses nous inspirer, que tu pries à notre place, car toi, tu connais les profondeurs du cœur de Dieu. C'est pour cela que nous t'invitons, Saint-Esprit. Non, nous ne voulons pas prier sans toi, mais nous voulons prier avec toi, inspiré par toi. Et nous voulons que tu pries pour nous, Saint-Esprit, car toi, tu intercèdes pour nous d'une manière extraordinaire. Nous te confions ce temps entre tes mains, que tu règnes dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons prier, nous allons lire dans Philippiens 4 à partir du verset 13. Philippiens 4, est-ce que tu peux écrire avec moi Philippiens 4, 13? Philippiens 4, 13. Merci Seigneur Jésus. Le groupe. Philippiens 4, 13. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas encore aimé la vidéo, aime déjà la vidéo, comme ça c'est fait. Voilà, sur YouTube, il n'y a pas d'offrande à donner. Donc, l'offrande que tu peux donner... Sur Facebook, pardon. Il n'y a pas d'offrande à donner. Donc, l'offrande que tu peux donner ici, c'est d'aimer la vidéo et de la partager. C'est ton offrande du matin, maintenant. Philippiens 4, je lis à partir du verset 13. Merci Seigneur Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Écris avec moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur. Bien-aimés, il est important que nous puissions trouver notre force. Puiser notre force en Christ Jésus. Beaucoup de personnes font des prières ou des personnes qui sont, en tout cas les personnes qui ne sont pas vraiment, vraiment, exemple chrétiennes, qui ne sont pas vraiment, vraiment à fond dans la foi, quand elles prient, elles ont juste besoin que le Seigneur puisse leur donner la solution à leurs problèmes. Mais ces personnes ne trouvent pas leur force en Christ. Il y a aussi des chrétiens comme ça, qui prient, qui veulent que Dieu puisse se manifester dans leur situation, que le Seigneur puisse restaurer leur situation, que le Seigneur puisse étendre sa main, qu'il y ait un miracle, un signe ou quelque chose qui vient du ciel, en tout cas, que quelque chose se fasse pour que leur souffrance puisse finir, que quelque chose se fasse, que le Seigneur étende sa main dans leur situation. Mais ces personnes attendent le miracle, mais ne puissent pas leur force en Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce matin, nous voulons puiser notre force en Christ. Tu dois puiser ta force en Christ Jésus. Ceux qui ne puisent pas leur force en Christ, sont ces personnes, quand elles ont une situation, elles prient. Comme elles ne trouvent pas la solution. Si le ciel ne donne pas de signe, si elles ne voient rien, ces personnes en fait abandonnent la foi. Ou encore se découragent, laissent tomber, lâchent. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, j'ai prié et Dieu ne s'est pas manifesté. J'ai prié, de toute façon, j'ai prié mais je n'ai pas vu le résultat, alors je suis fatiguée de prier, je laisse. Pourquoi? Parce qu'ils ne puisent pas leur force en Christ. Nous devons puiser notre force en Christ. Écris avec moi, je dois puiser ma force en Christ. Je dois puiser ma force en Christ. Je dois puiser ma force en Christ. Alléluia. Nous avons besoin de puiser notre force en Christ. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même quand tu pries et que tu ne vois pas la solution tout de suite, parce que tu puises ta force en Christ, cela ne te fait pas bouger. Cela fait en sorte que tu sois inébranlable. Cela fait en sorte que tu ne puisses pas être dirigé par la situation, que tu ne puisses pas être dirigé par ta réalité. Quel que soit ce que tu vois, parce que tu puises ta force en Christ, tu ne bouges pas. Alléluia. Tu ne bouges pas. Tu dois puiser ta force en Christ. Je dois puiser ma force en Christ. L'apôtre Paul avait un problème. Il avait une écharde
Alléluia. Et alors il a prié dans 2 Corinthiens 12, 9, il a prié pour que s'il plaisait au Seigneur d'enlever l'écharde qu'il avait. Il a prié, si tu peux m'enlever cette écharde, si tu peux m'enlever cette écharde. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Donc tu gardes ton écharde, mais ma grâce te suffit. Et comme il puisait tout en Christ, cela lui a suffi. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Cela lui a suffi. Tu peux prier et si Dieu n'enlève pas encore le problème, si Dieu veut que tu gardes le problème, il va te dire, ma fille, mon fils, ma grâce te suffit. Et tu vas trouver ta joie. Pourquoi? Tu vas être fortifié. Pourquoi? Parce que tu puisses ta force en Christ. Ce n'est pas la solution. En fait, tu ne puisses pas ta force sur la solution que tu vas avoir, mais tu puisses ta force en Christ. Tu ne puisses pas ta force sur le miracle que tu es en train d'attendre, mais tu puisses ta force en Christ. L'erreur que nous faisons, c'est que nous cherchons à puiser nos forces, nous cherchons à puiser notre force sur le miracle que nous attendons. Je prie, alors je prie, comme j'attends le miracle, je suis en forme, j'ai la force, je sens le zèle, je sens que j'ai le zèle, j'ai la force, j'ai le courage, je suis en train de prier, je sais que Dieu va agir. Et quand nous ne voyons pas la solution, nous nous décourageons aussitôt. Mais si je puisais ma force en Christ, je ne cherche pas sa main, mais je cherche son cœur. Je ne cherche pas ce qu'il va me donner, mais je cherche sa présence. Je ne cherche pas ce qu'il peut me donner, mais je cherche lui, Christ, sa présence. Je cherche la personne, je cherche son cœur. Je cherche à être à ses pieds, je cherche à être dans ses bras. Peu importe que j'ai ou que je n'ai pas, je vais dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Ta grâce me suffit. C'est pour cela, en 2020, bien-aimé, nous devons adopter cette attitude de puiser notre force en Christ. De puiser notre force en Christ. C'est très, très important. Quand Jésus était à Gethsémané et qu'il était en train de lutter, de prier, il a prié, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a dit une chose, mais toutefois, que ta volonté se fasse. Non pas la mienne, mais que ta volonté. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il voulait que la coupe s'éloigne, mais il a dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, il comptait sur la volonté du Père. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu pries, tu dois compter sur Christ. Tu dois mettre tout ton cœur sur Christ et non sur ce que tu es en train d'attendre. Mets ton cœur sur Christ. Parce que si le ciel te disait, ce que tu demandes, on ne te le donne pas, mais notre grâce te suffit, ma grâce te suffit. Le Seigneur vient te dire, ce que tu me demandes, je ne te le donnerai pas, mais ma grâce te suffit. Serais-tu dans la joie? Tu dois être dans la joie. Parce que tu puisses ta force en Christ, alors tu dois être dans la joie. 2020 est l'année où nous devons tout puiser en Christ. 2020 est l'année de notre visibilité. 2020 est l'année de la maturité. Parce que c'est les matures qui acceptent cela. Les matures acceptent que quand ils prient, ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, mais ils trouvent leur force en Christ. Leur priorité, c'est la personne de Christ. Leur joie, c'est Christ. Leur cœur, c'est Christ. Leur recherche, c'est Christ. Leur force, c'est Christ. Ils ne veulent pas être ailleurs. Ils veulent être en Christ. Écris encore avec moi. Je dois puiser ma force en Christ. Je dois puiser ma force en Christ. Alors nous voulons prier par rapport à ce sujet. Que le Seigneur puisse fortifier nos cœurs et que le Seigneur façonne nos cœurs. Parce que nous devons être des personnes matures, des personnes qui puissent tout en Christ. Et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Que Christ puisse tout fortifier, que Christ puisse être notre force, que Christ puisse être notre capacité, que Christ puisse être plutôt notre agilité, que Christ puisse être notre habileté, que Christ puisse être notre désir, notre tout, dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier sans plus tarder. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire ce matin, Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu me fortifies toujours. Merci pour ta parole. Merci parce que tu me fortifies toujours. Merci parce que je sais que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas parce que tu es mon maître. Prions le Seigneur, alléluia. Remercie le Seigneur pour cette nouvelle journée. Remercie-le pour sa parole. Remercie-le parce qu'il est celui qui te fortifie toujours. Prions le Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te magnifier. Nous voulons, Seigneur, t'exalter
Parce que Seigneur, tu nous as encore renouvelé ton souffle de vie ce matin. Merci Seigneur, ce n'est pas par notre vouloir, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas Seigneur par notre mérite, mais c'est par ta grâce. Seigneur, tes bontés se sont encore renouvelées pour nous ce matin. Seigneur, tes compassions se sont encore renouvelées pour une personne ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange. Merci pour ta parole qui nous rappelle encore ce matin que nous devons tout puiser en toi. Merci pour ta parole qui nous rappelle encore ce matin que nous devons puiser notre force en toi, Seigneur. Reçois la gloire et la louange, reçois la magnificence. Merci car tu es celui qui nous fortifie toujours. Merci car tu es celui qui nous fortifie aujourd'hui, qui nous fortifiera demain et qui nous fortifiera à jamais. Oui, nous disons comme l'apôtre Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Merci Seigneur, car tu es notre force. Merci Seigneur, car tu es notre consolation. Merci Seigneur, car c'est toi qui viens nous relever quand nous sommes fatigués. C'est toi Seigneur qui viens nous redonner la force quand nous n'avons plus la force de courir, la force de marcher, la force de continuer. C'est toi qui viens nous prendre à la main, qui viens nous relever dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin. Tu vas demander au Père de fortifier ton cœur. Tu vas demander au Père de fortifier ton cœur. Alléluia. Demande au Père, dis ce matin, Père, Père, ce matin, je prie que tu me donnes la force de toujours faire ce que le Seigneur me dit de faire. Donne-moi la force en 2020, Seigneur. Je ne veux pas être rebelle. Je ne veux pas bouder. Je ne veux pas chercher seulement ce que moi je veux voir. Mais Père, donne-moi la force d'obéir à ce que Christ me dit de faire. Donne-moi la force d'obéir à toute ta parole. Donne-moi la force d'obéir à ce que tu vas me dire de faire. Donne-moi la force d'obéir à tes instructions dans le nom puissant de Jésus. Père, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force que je puisse obéir à ta parole totalement et non partiellement. Que je puisse obéir à ta parole d'une manière totale. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Demande au Père de te donner la force. Qu'en 2020, tu puisses avoir un cœur qui sera prêt à obéir. Un cœur qui sera prêt à faire la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, tendre Père, ce matin, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te louer. Nous voulons encore, Seigneur, élever ton nom. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu puisses encore façonner nos cœurs. Père, ce matin, nous prions que tu nous donnes la force. Donne-nous la force d'obéir à ta parole. Donne-nous la force de marcher dans ta parole. Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole à 100%. Que nous puissions avoir la force. Que nous puissions être fortifiés. Que nous puissions écouter toute la parole du Seigneur. Que nous puissions marcher selon toutes les instructions du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, d'accomplir tout ce que tu nous demanderas de faire. Donne-nous la force d'obéir à tout ce que tu nous demanderas de faire. Car c'est toi qui es notre force. C'est toi qui nous donnes la force. Nous puisons tout par Christ qui nous fortifie. Seigneur, nous te prions. Travaille nos cœurs, Seigneur, ce matin encore. Travaille nos cœurs, Seigneur, en cette journée encore. Que 2020 soit l'année de l'obéissance. Que 2020 soit l'année, Seigneur, où nous allons, Seigneur, avoir une foi inébranlable. Que 2020 soit l'année où nous allons tout puiser en toi, Christ Jésus. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Tendre Père, donne-nous la force. Donne-nous la force de faire tout ce que tu nous demanderas de faire, tout ce que le Seigneur nous demandera de faire, tout ce que le Saint-Esprit nous demandera de faire, dans le nom de Jésus. Que nous ne puissions pas être des enfants rebelles, mais que nous puissions être des enfants dociles, obéissants, afin que nous puissions manger les meilleurs produits du pays, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, travaille mon cœur, maîtrise mon cœur, règne dans mon cœur, prends toute la place dans mon cœur. Bien-aimé, commence à donner ton cœur au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, travaille mon cœur. Travaille mon cœur, qu'il puisse travailler ton cœur, qu'il puisse façonner ton cœur, qu'il puisse enlever tout ce qui n'est pas de lui dans le nom de Jésus, qu'il puisse enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom dans le nom de Jésus. Commence à prier, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui Seigneur, je t'en supplie, travaille mon cœur, que 2020 soit l'année de la foi, que 2020 soit l'année du surnaturel, que 2020 soit l'année Seigneur où je vais te voir à une autre dimension, que 2020 soit l'année où Christ va être formé à l'intérieur de moi, où Christ va être vu, que 2020 soit l'année où je vais revêtir réellement Christ, que 2020 soit l'année Seigneur de la métamorphose, que ça ne
soit plus nous qui vivons, mais que Christ vive, Seigneur, en nous. Oh Seigneur, nous te supplions, travaille nos cœurs, travaille nos cœurs, travaille nos cœurs, afin de vivre l'onction de l'accélération divine. Travaille nos cœurs, que nos cœurs soient prêts, prêts à recevoir cette onction, que nos cœurs soient prêts à recevoir l'accélération divine dans nos vies. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, que nos cœurs soient prêts, prêts à obéir, prêts à marcher selon ta parole, prêts, Seigneur, à écouter, que nous puissions trouver notre force en toi, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, travaille nos cœurs, travaille nos cœurs, travaille nos cœurs, que 2020 soit l'année, Seigneur, l'année du surnaturel divin, l'année de l'accélération, où nous allons, Seigneur, courir sans se fatiguer, où nous allons monter très, très haut comme l'aigle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car c'est toi qui nous fortifie, car c'est toi qui nous donne la force, car c'est toi qui va nous faire tenir sur les hauteurs, car c'est toi qui va nous faire tenir sur ton rocher, ô Seigneur. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, fortifie mon homme intérieur. Seigneur, ce matin, fortifie mon homme intérieur. Je ne sais pas quels sont les problèmes par lesquels tu traverses, mais tu vas dire au Seigneur de fortifier ton homme intérieur. Alléluia. Fortifie mon homme intérieur pour que je puisse résister à tous les défis qui surviendront en 2020. Fortifie mon homme intérieur pour que je puisse résister à tous les défis qui surviendront en 2020. Que je puisse résister à tous les défis qui vont subvenir sur mon chemin dans le nom de Jésus. Seigneur, fortifie mon homme intérieur. Nous devons être des personnes fortes à l'intérieur. Nous devons avoir un homme intérieur costaud, un homme intérieur mature, bâti, assis, enraciné en Christ dans le nom de Jésus. Je répète encore, ô Seigneur, fortifie-moi dans mon homme intérieur. Ou encore, fortifie mon homme intérieur pour que je puisse résister à tout, à tous les défis qui surviendront en 2020, pour que je puisse résister à tous les combats qui surviendront sur mon chemin, que je puisse résister à toutes les batailles qui peuvent subvenir sur mon chemin en 2020, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je t'en supplie, je te prie ce matin, Seigneur, fortifie, fortifie-moi dans mon homme intérieur. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Fortifie une personne qui est connectée dans son homme intérieur afin qu'elle puisse résister à tous les défis, afin qu'elle puisse résister à tous les problèmes qui pourraient, Seigneur, subvenir sur son chemin dans le nom de Jésus. Fortifie-nous dans notre homme intérieur, que nous ne puissions pas décourager, que nous ne puissions pas lâcher prise, que nous ne puissions pas abandonner, que nous ne puissions pas, Seigneur, pleurer, que nous ne puissions pas dire le Seigneur nous a abandonné, mais que nous soyons fortifiés. Fortifie-nous dans notre homme intérieur dans le nom de Jésus. Fortifie-nous dans notre homme intérieur, dans le nom de Jésus. Fortifie-moi dans mon homme intérieur, je t'en supplie. Seigneur, fortifie-moi dans mon homme intérieur, dans mon homme intérieur, pour que je puisse résister, résister au vent, résister, Seigneur, à tout combat qui pourrait subvenir sur mon chemin en 2020, dans le nom de Jésus. Fortifie une personne, fortifie ma soeur, fortifie mon frère, qu'il soit fortifié, qu'il soit fortifié, qu'il puisse dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, Seigneur, je t'en supplie, fortifie-nous dans notre homme intérieur pour que nous puissions résister, résister au vent, résister à tous les défis qui pourraient subvenir sur notre chemin, qui pourraient subvenir sur notre destinée, qui pourraient subvenir en 2020, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Donne-nous la force, donne-nous la foi qui déplace les montagnes. Donne-nous la force, Seigneur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, fortifie une personne ce matin. Fortifie une personne ce matin qui passe par des moments difficiles. Fortifie une personne ce matin qui ne sait plus quoi faire. Fortifie une personne ce matin qui a essuyé des échecs, qui a essuyé des rejets. Fortifie une personne ce matin qui est perdue, Seigneur. Fortifie une personne ce matin, car c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne la capacité. C'est toi qui nous donne l'agilité, dans le nom de Jésus. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Que 2020 soit l'année où je serai fortifié, que je serai fortifié, quels que soient les combats, quelles que soient les adversités, que je puisse résister dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout combat, toute adversité qui pourrait subvenir sur mon chemin, que je puisse tenir ferme dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Dans le nom de Jésus. Fortifie-moi dans mon homme intérieur. Contre tous les vents, contre tous les problèmes. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire encore. Tu vas dire, Père, qu'en cette année qui va commencer 2020, que ta grâce continue à abonder dans ma vie. Écris avec moi, Père, qu'en cette année 2020, ta grâce continue à abonder dans ma vie. Qu'en cette année 2020, que ta grâce continue à abonder dans ma vie. Et que j'avance de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Que 2020 soit ton année où tu vas avancer de gloire en gloire. Soit l'année où tu vas résister au vent. Soit l'année où tu vas tout te confier en fait en Christ. Soit l'année où tu vas avancer, quels que soient les vents, quelles que soient les résistances. Mais tu vas avancer de gloire en gloire. Alléluia. Tu vas dire, tendre Père, que cette année 2020, ta grâce abonde encore dans ma vie, que ta grâce abonde, tu peux encore dire que ta grâce abonde et surabonde dans ma vie et que je puisse avancer de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus, que je puisse avancer de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu déclares maintenant, c'est ce qui va se faire dans ta vie en 2020. Ce que tu déclares maintenant, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas voir. Dans ta bouche, il y a la vie et dans ta bouche aussi, il y a la mort. Alors commence à proclamer la vie. Dis, Père, que ta grâce abonde ou encore est surabonde dans ma vie en 2020. Que je puisse avancer de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Que tous les domaines de ma vie puissent, Seigneur, être abondés dans ta grâce. Que toutes les domaines de ma vie puissent être environnés de ta grâce. Et que je puisse avancer dans tous les domaines de ma vie, sans exception, dans le nom de Jésus. Que je puisse avancer de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tendre Père, je prie encore ce matin. Je prie ce matin, Seigneur, que 2020, qu'en cette année 2020, Père, que ta grâce abonde encore dans nos vies. Que ta grâce puisse encore surabonder dans nos vies. Et que nous puissions avancer de gloire en gloire. Et que nous puissions aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Que ta grâce environne tous les domaines de ma vie. Que ta grâce environne, Seigneur, ma vie spirituelle. Que ta grâce environne, Seigneur, ma famille. Que ta grâce environne ma maison. Que ta grâce environne, Seigneur, mes enfants. Que ta grâce environne mon travail. Que ta grâce environne tout ce que je suis. Que ta grâce environne, Seigneur, toutes mes activités. Que ta grâce environne. Et que, Seigneur, je puisse aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Emmène-nous de gloire en gloire. Emmène-nous de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, qu'en cette année 2020, qu'en cette année 2020, ta grâce puisse surabonder encore. Que ta grâce puisse surabonder encore dans nos chemins, dans mes projets, dans tout ce que je vais faire, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que je puisse aller de gloire en gloire. Que je puisse aller de gloire en gloire. Que je puisse aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que je puisse aller de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, Père, en cette année 2020, ou encore mon Père, en cette année 2020, donne-moi la vision d'aigle. Tu dois avoir la vision d'aigle en cette année 2020, qui va arriver, tu dois avoir la vision d'aigle. Écris avec moi la vision d'aigle. 1. Vision d'aigle. Donne-moi la vision d'aigle. Alléluia. 2. Donne-moi la vitesse du vent. Que l'onction d'accélération divine puisse te faire accélérer très vite comme le vent. Donne-moi la vision d'aigle. Donne-moi la vitesse du vent. Alléluia. Donne-moi la simplicité de la colombe. Donne-moi la simplicité de la colombe. De la colombe. Que tu puisses être simple comme une colombe. Donne-moi la simplicité de la colombe. 3. Alléluia. Et 4, tu vas dire, et donne-moi l'écoute de la brebis. Nous devons être des brebis qui écoutent. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors nous devons avoir l'écoute de la brebis. Donne-moi la vision d'aigle, que tu puisses voir loin, que tu puisses aller loin, que tu puisses avoir une vision qui va aller très loin, une vision d'aigle qui va t'emmener à la réussite, que tu puisses avoir la simplicité de la colombe. Et la simplicité de la colombe. Et 3, que tu puisses avoir la vitesse du vent. Que les choses puissent aller pour toi très vite comme le vent. Alléluia. Que les choses puissent aller très vite. Que tu puisses avoir l'écoute de la brebis. Que tu puisses être prêt à écouter. Et aussi, je peux rajouter encore une cinquième chose. Que tu puisses avoir la prudence
du serpent. Parce que nous devons être prudents. Alléluia. La prudence du serpent. Commence à prier. Commence à intercéder pour ton année. Commence à prier au nom de Jésus. Prions ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus, tendre Père, nous venons encore devant toi. Nous venons encore devant le trône de ta compassion. Nous venons encore devant le trône de ta grâce. Père, nous prions ce matin. En 2020, nous prions Seigneur que tu nous donnes la vision d'aigle. Donne la vision d'aigle à une personne afin qu'elle puisse percer, afin qu'elle puisse avancer, afin qu'elle puisse aller très loin, afin qu'elle puisse Seigneur avancer d'une manière extraordinaire. Donne la vision d'aigle. Donne la vision d'aigle que nous puissions voir loin, que nous puissions voir loin, que nous puissions avoir la vision d'aigle afin de faire des exploits, afin d'accomplir des exploits dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur ce matin qu'en 2020 tu nous donnes Seigneur la simplicité de la colombe, que nous puissions avoir des cœurs simples, que nous puissions être des enfants de Dieu, que nous puissions manifester Christ, que Seigneur je puisse revêtir Christ, que je puisse avoir les sentiments qui étaient en toi, les sentiments qui étaient en Christ. Oui, car la Bible me dit revêtez-vous des sentiments qui étaient, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, que je puisse revêtir Christ, car la Bible dit aussi, revêtez-vous de Christ. Je t'en supplie que je puisse avoir la simplicité de la colombe dans le nom de Jésus. Qu'en cette année 2020, je ne puisse pas être dans l'orgueil, que je ne puisse pas être dans la révolte, que je ne puisse pas être dans la rébellion, mais dans la simplicité de la colombe, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qu'en cette année 2020, Seigneur, je prie que tu puisses me donner l'écoute de la brebis, l'écoute de la brebis. Oui, tu as dit, Seigneur, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent. Oui, Seigneur, je te prie que nous puissions écouter, que nous puissions écouter ta voix, que nous puissions écouter la direction du Saint-Esprit, que nous puissions avoir des oreilles aiguisées qui vont écouter Seigneur le chemin que tu vas, le chemin par lequel tu vas nous emmener, que nous puissions avoir des oreilles prêtes à écouter, pour écouter tes instructions et pour appliquer tes instructions dans le nom de Jésus. Qu'en 2020 Seigneur, tu nous donnes l'écoute de la brebis, que je puisse entendre ta voix, que tu puisses me donner la direction. Oui, David a dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, tu es notre berger, tu es mon berger, je suis la brebis, alors je dois entendre ta voix. Car c'est toi qui me diriges près des eaux paisibles. C'est toi qui me diriges dans les sentiers de la justice. C'est toi qui me diriges dans les verts pâturages. Mais pour que tu me diriges, je dois entendre ta voix. Seigneur, fais en sorte que nous puissions entendre ta voix ce matin. Fais en sorte que les bouchons puissent quitter nos oreilles. Fais en sorte que nous ayons les oreilles spirituelles débouchées, afin que nous puissions entendre ta voix. Pour que tu nous conduises dans les verts pâturages. Pour que tu nous conduises près des eaux paisibles. Pour que tu nous conduises dans les sentiers de la justice. Pour que tu nous conduises, Seigneur, dans ton chemin. Seigneur, enlève les bouchons dans nos oreilles, que nous puissions entendre. Donne-nous l'écoute de la brebis. Donne-nous l'écoute de la brebis, dans le nom de Jésus. Donne-nous l'écoute de la brebis, au nom de Jésus. Donne-nous l'écoute de la brebis, au nom de Jésus. Donne-nous l'écoute de la brebis, au nom de Jésus. Je t'en supplie. Donne-nous l'écoute de la brebis, au nom de Jésus. Donne-nous l'écoute de la brebis, au nom de Jésus. Donne-nous l'écoute de la brebis, au nom de Jésus. Qu'en 2020, Seigneur, qu'en 2020, tu nous donnes, Seigneur, la vitesse du vent. Bien-aimé, appelle la vitesse du vent dans ta vie. La vitesse du vent. Un vent restaurateur qui va restaurer toutes les choses dans nos vies, qui va restaurer tous les domaines de nos vies d'une manière extraordinaire, d'une manière rapide, d'une manière fulgurante, au nom de Jésus, par l'onction de l'accélération divine. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avancer comme un vent. Donne-nous d'avancer, Seigneur. Donne-nous la vitesse du vent, au nom de Jésus. Donne-nous la vitesse du vent, au nom de Jésus. Donne-moi la vitesse du vent, que je puisse avancer, que je puisse avancer, que je puisse avancer, avancer dans ma destinée, que mes enfants avancent, que ma famille avance, que ma maison avance, que mon foyer avance, au nom de Jésus. Qu'en 2020, je puisse avancer, je puisse avancer, je puisse avancer. Donne-nous la vitesse du vent, dans le nom de Jésus. Père, nous prions encore ce matin. Nous prions encore ce matin qu'en 2020, Seigneur, tu nous donnes la simplicité de la colombe et la prudence du serpent. Que nous puissions être prudents sur notre chemin, que nous puissions être prudents, Seigneur, que nous ne puissions pas, qu'on ne puisse pas nous avoir, que, Seigneur, nos adversaires ne puissent pas nous avoir, que le diable ne puisse pas nous avoir, mais que nous puissions avoir la prudence du serpent. Car tu as dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Oui, Seigneur, qu'en 2020, nous puissions avoir la prudence, que nous puissions avoir la prudence, la prudence. La prudence dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin de gagner les batailles, afin de gagner les batailles au nom puissant de Jésus, afin d'avancer dans le nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore pour ta vie, tu vas prier pour ta vie, tu vas dire, oh Dieu, alléluia, oh Dieu. Tu vas dire, oh Dieu, qu'en cette année qui arrive,
tu changes ma honte. Change ma honte, ô Père. Change ma honte en honneur dans le nom de Jésus. Change ma honte en honneur. Là où tu as eu honte cette année, là où la honte est venue dans ton foyer, là où la honte est venue dans ta maison, que le Seigneur puisse changer ta honte en honneur dans le nom de Jésus. Change ma honte en honneur pour la gloire de ton nom. Seigneur, quand cette année, tu changes ma honte en honneur, cette année qui va commencer, Seigneur, par l'onction de l'accélération divine, que tu changes ma honte en honneur. Seigneur, là où les gens se sont moqués, là où les gens ont dit qu'est-ce qu'elle va faire, là où les gens ont dit mais qu'est-ce qu'elle peut devenir, il n'y a plus rien à faire pour elle. Seigneur, change ma honte en honneur. Change la honte de ma famille en honneur. Change la honte de ma maison en honneur. Change la honte de mon foyer en honneur dans le nom de Jésus. Change ma honte, Seigneur. Change ma honte, Seigneur, en honneur. Mets sur moi un manteau, Seigneur, de la délivrance, un manteau de la restauration. Mets dans ma bouche un cri de joie. Mets dans ma bouche un témoignage. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie en cette année 2020. En cette année 2020, Seigneur, qui va commencer, change ma honte en honneur. Là où 2019 a constitué pour moi une honte. Là où 2019 a constitué pour moi, Seigneur, la moquerie. Là où 2019 était l'année des pleurs. Là où 2019 était l'année, Seigneur, de lamentation pour moi. Change ma honte, Seigneur. Change ma honte en honneur au nom de Jésus. Seigneur, change ma honte. Change la honte d'une personne qui est connectée maintenant en honneur dans le nom de Jésus. Que 2020 soit l'année de l'honneur. Seigneur, là où elle a pleuré, tu as dit, Seigneur, ceux qui s'aiment avec larmes, recantent avec cri de joie. Oui, Seigneur, que l'année 2020 soit l'année du cri de joie. Que l'année 2020 soit l'année de la récolte du cri de joie. Que 2020 soit l'année, Seigneur, où la honte va quitter la vie de tes enfants. Seigneur Dieu de gloire, change notre honte. Change la honte de tes enfants en honneur dans le nom de Jésus. Change la honte en honneur. Change la honte en honneur. Là où il y a eu la honte, là où il y a eu, Seigneur, les difficultés, change la honte en honneur au nom puissant de Jésus. Que 2020 soit l'année, Seigneur Dieu de gloire, de l'honneur, l'année du chant d'allégresse. Que 2020 soit l'année, Seigneur, du témoignage. Mets un témoignage dans nos bouches. Mets un témoignage dans nos maisons. Mets un témoignage dans la vie de nos enfants. Mets un témoignage dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que 2020 soit l'année du témoignage, l'année du chant d'allégresse, l'année de la joie. Oui, tu as dit dans ta parole éternelle, défrichez-vous un chant nouveau. Que 2020 soit l'année où nous allons défricher le chant nouveau. Que 2020 soit l'année où nous allons défricher le chant nouveau dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que 2020 soit l'année où la honte va quitter nos vies. Que 2020 soit l'année où, Seigneur, nous allons vivre l'honneur, où nous allons vivre l'honneur, Seigneur. Change notre honte en honneur dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Change notre honte en honneur au nom de Jésus. Que 2020 soit l'année de la grâce. Que 2020 soit l'année du chant d'allégresse. Seigneur, revêt-nous d'un manteau de la délivrance, d'un manteau de la louange, d'un manteau du témoignage, d'un manteau de la restauration dans le nom de Jésus. Revêt une personne d'un manteau de la guérison. Celui qui est malade maintenant, celui qui est malade maintenant et qui est connecté, Seigneur, qu'il soit revêtu ce matin d'un manteau de guérison. Je le déclare dans le nom de Jésus. Qu'il soit revêtu ce matin d'un manteau de restauration. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que celui qui, Seigneur, qui a connu la honte, qu'il soit revêtu ce matin d'un manteau d'honneur et de gloire dans le nom de Jésus. Que celui qui a été rejeté ce matin, Seigneur, qu'il soit revêtu d'un manteau de restauration. Manteau de restauration au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne un témoignage à une famille. Donne un témoignage à une maison. Donne un témoignage à un couple. Donne un témoignage à un foyer dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses enlever la honte. Change la honte, Seigneur, en honneur dans le nom de Jésus. Que tu te lèves, Seigneur, pour transformer, pour restaurer, pour façonner une vie dans le nom de Jésus. Que celui, Seigneur, qui était malade, si quelqu'un est connecté maintenant et qu'elle est malade, Seigneur, je prie, Seigneur, je mets sur elle le manteau de la guérison. Le manteau de la guérison dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit puisse se déployer sur ta vie maintenant. Que l'onction de l'accélération divine se déploie maintenant sur ta vie et t'accorde la guérison maintenant où je prie, maintenant où je parle, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu as connu la honte, je déclare que tu vas connaître l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Fais du bien à tes enfants. Que 2020 soit l'année de notre visibilité. Écris avec moi 2020, année de ma visibilité. 2020, année de ma visibilité. Écris avec moi. Écris avec moi 2020, année de ma visibilité. 2020, année de ma visibilité. 2020, année de ma visibilité. C'est l'année de ta visibilité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Alléluia. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, oui, 2020, année de ma visibilité. Année où l'Éternel va me visiter d'une manière extraordinaire. Alors, je m'attends à cette visitation. Je suis dans la joie. J'ai le zèle dans mon cœur. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur tressaillit de joie parce qu'il y a une visitation qui va arriver pour moi. Il y a une grâce qui va arriver pour moi. Alléluia. Il y a une faveur qui va arriver pour moi. 2020 est l'année où les portes vont s'ouvrir pour nous. Les portes que tu ne peux pas ouvrir avec tes propres efforts. 2020 est l'année où les anges de Dieu vont ouvrir les portes pour toi. 2020 est l'année où les anges de Dieu vont rouler la pierre pour toi. Cette pierre qui est trop lourde que tu n'arrives pas à rouler, un ange viendra la rouler. Alléluia. 2020 est l'année où tu seras délié de tes liens, où tu vas couper tout lien qui était sur ton cou dans le nom de Jésus. 2020 est l'année où tu vas te lever pour que tu sois éclairé, où l'Éternel te parle pour te dire lève-toi et sois éclairé. Tu vas être éclairé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas faire une prière de foi maintenant. Tu vas dire, Seigneur, parce que tu vis. Déclare avec moi, Seigneur, parce que tu vis. Parce que tu vis, je vivrai aussi pour accomplir ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, parce que tu vis, je vivrai aussi pour accomplir ma destinée. Alléluia. En 2020, dans le nom de Jésus, j'accomplirai, je vivrai et j'accomplirai ma destinée en 2020 parce que tu vis. Il y a une chanson qu'on chante qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, non, non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. » Pour ce temps et l'éternité, moi je sais qu'il vit, il est puissant parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, non, non, mes lendemains sont assurés, tes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, moi je sais qu'il vit. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, parce que tu vis, je vivrai et j'accomplirai ma destinée dans le nom de Jésus. Parce que tu vis, Seigneur, mes enfants vivront et ils accompliront leur destinée dans le nom de Jésus. Parce que tu vis, ma maison vivra et elle accomplira sa destinée dans le nom de Jésus. Parce que tu vis, mon époux vivra et il accomplira sa destinée dans le nom de Jésus. Commence à prier et à déclarer. Commence à prier et à déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, parce que tu vis. Seigneur, parce que tu vis, je vivrai. Parce que tu vis, je peux taper la poitrine et dire je vivrai et j'accomplirai ma destinée dans le nom de Jésus. Parce que tu vis, je vivrai Seigneur et j'accomplirai ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu vis, je déclare que mes enfants vivront et ils accompliront leur destinée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu vis Seigneur, la TPS vivra et elle accomplira sa destinée dans le nom de Jésus. Parce que tu vis, la TPS vivra et elle accomplira sa destinée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, parce que tu vis, je vivrai, j'accomplirai ma destinée, j'accomplirai ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre, j'accomplirai ma mission sur la terre, dans le nom de Jésus, parce que tu vis, je vivrai aussi, parce que tu vis, je vivrai aussi, je vivrai aussi. Oui, je peux déclarer haut et fort et dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, je raconterai les merveilles de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu vis, je vivrai aussi et je donnerai un témoignage en ton honneur, dans le nom de Jésus. Parce que tu vis, je vivrai aussi. Parce que tu vis, je vivrai aussi. Et j'accomplirai ma destinée. Parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire pour notre dernier sujet. Père. Père, pendant que je suis en train de jeûner, pendant que je suis en train de prier, envoie-moi une parole. Donne-moi une parole qui va me guérir.
Donne-moi une parole qui va me restaurer, Seigneur. Pendant ce temps de jeûne, donne-moi une parole qui va me guérir et me restaurer dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de chercher ta face, pendant que je prie matin, midi, soir, pendant que je suis en train, Seigneur, de prier, de pleurer devant toi, donne-moi une parole, une simple parole qui va me guérir, une simple parole qui va me restaurer. Car il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Et sa parole les guérit. Demande au Seigneur une parole pour toi. Bien-aimé, pendant tout ce temps de jeûne, tu auras une parole, peut-être une seule parole qui va guérir toute ta vie. Une seule parole qui va changer toute ta vie. Une seule parole qui va restaurer toute ta vie. Commence à prier avec moi. Alléluia. Alléluia. Père, pendant que je suis en train de prier, pendant que nous prions, pendant que la tour de prière se meurt, Seigneur, est dans la dévotion, est en train de prier, Seigneur, est dans ce programme de jeûne et prière pour posséder l'année. Seigneur, je prie que tu envoies ta parole, que tu envoies ta parole. Envoie-moi une parole. Père, envoie-moi une parole. Une parole, Seigneur, qui va me guérir. Une parole qui va me restaurer au nom de Jésus. Une parole qui va changer radicalement ma vie. Une parole qui va me réveiller. Une parole qui viendra, Seigneur, transformer les choses. Une parole, Seigneur, qui va délivrer ma vie à jamais. Une parole qui va me faire du bien. Une parole, Seigneur, qui va me guérir et transformer, Seigneur, ma vie dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Pendant que nous te cherchons, envoie ta parole. Car elle est écrite dans ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Envoie ta parole dans la vie de tes enfants. Envoie ta parole dans la vie d'une personne qui est connectée, Seigneur, qui est perdue, qui est à la croisée des chemins, qui ne sait pas quoi faire. Envoie ta parole dans la vie d'une personne, Seigneur, qui est perdue, une personne, Seigneur, qui pose des questions, Seigneur. Envoie ta parole et que cette parole puisse guérir et que cette parole puisse libérer et que cette parole puisse faire du bien à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole puisse délivrer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier pour la fin. Tendre Père, nous te bénissons. Seigneur, merci pour ce temps glorieux que tu nous as donné devant ta présence. Seigneur, merci de nous avoir exaucés. Car il est écrit dans ta parole, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, merci parce que nous sommes venus à toi et nous avons été exaucés, nous le croyons. Nous te bénissons, nous te remettons le reste du temps entre tes mains, Seigneur, la session de midi entre tes mains. Saint-Esprit, que tu nous aides à être connectés, que nous puissions être connectés, Seigneur, comme d'habitude sur YouTube. Seigneur, accorde-nous la grâce de régler le problème. Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence de régler le problème et que nous puissions être sur YouTube. Pour nos frères, nos sœurs qui n'ont pas pu se connecter, qui n'ont pas pu être là, Seigneur, et qui sont peut-être en train de chercher la vidéo, en train de chercher la prière. Je t'en supplie, et que, Seigneur, notre jeûne soit sécurisé par toi. Je viens sécuriser ce temps de jeûne par le sang de l'agneau. Seigneur, jusqu'au 21, que nous soyons sécurisés, que la technique soit sécurisée, que tous les appareils que nous utilisons soient sécurisés dans le nom de Jésus, et que tous les ruses du diable soient anéantis, soient, Seigneur, détruits au nom de Jésus, mais que nous puissions prier, Seigneur, d'une manière, Seigneur, d'une manière à l'aise, que nous soyons, Seigneur, à l'aise dans notre temps de prière, qu'il n'y ait pas de problèmes techniques dans le nom de Jésus-Christ. Père, garde-nous fidèles à toi, garde nos cœurs, Seigneur, près de toi. Seigneur, mets en nous encore la haine du péché, que nous soyons loin du péché, mais que nous puissions être dans la pureté. Que les prières que nous faisons, Seigneur, puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin donc pour notre communiqué, nos communiqués. Donc, nous retrouvons tout à l'heure à midi pour la prière. Et je pense que nous serons sur YouTube. En tout cas, on va tout faire pour que nous soyons sur YouTube. Et nous avons nos programmes donc, pour le 31 décembre. Le 31 décembre, nous serons à Bobigny. Vous allez avoir... Le 31 décembre, nous serons à Bobigny pour la nuit de la traversée. Donc, venez à partir de 21h, nous serons là-bas. Nous serons ensemble. Et nous allons vraiment terminer dans la célébration. Donc, préparez-vous, prenez vos hôtels, réservez, venez à Bobigny. Nous serons là-bas pour glorifier le Seigneur ensemble le 31 décembre à partir de 21h, Bobigny. Et pour notre jeûne, nous finirons le 21, mais le 22, nous serons à Garches-Sarcelles pour célébrer ensemble pour la fin de notre jeûne. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés. On se retrouve donc à midi sur YouTube. Priez pour que ça s'arrange. Priez, priez, priez que ça s'arrange, que nous puissions nous retrouver sur YouTube tout à l'heure parce que c'est notre plateforme et nous sommes très bien là-bas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse donc à très bientôt. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez-la à une personne, à un ami, à un frère, à un membre de la famille et soyez ainsi comment pour quelqu'un.
Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas l'opération Maison de Prière, ça continue. Nous continuons, donnons nos contributions pour qu'au mois d'avril, nous soyons dans notre propre salle et que nous puissions faire tout ce que nous avons à faire comme programme, des grands programmes à venir, que cela puisse se faire dans le nom de Jésus et par la grâce de Dieu. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification.